Salut YouTube. On est sur une bonne dynamique là, il est temps de la casser. On va faire un run Jacob Ezo. Ah oui, non, mais en plus Shell qui me rappelle que oui, on avait failli battre Delirium et on a perdu un HP restant à Delirium alors qu'on avait le Sablier. Alors, qu'est-ce qu'on joue? Mother? Boss Rush Hush? Boss Rush Hush Delirium. Obligé d'avoir un starter. Ah non, mais putain, non, mais... Ouais, mais... Et il faut que je blinde qui? Tout sur Jacob, on part sur Jacob alors que c'est Ezo qui a les dégâts, peut-être, je sais pas. Ah oui, c'est vrai qu'ils ont double objet. Enfin non, ça dépend. Un coach. Non mais Burning Bay, non, j'ai pas la patience. Quoique si, ça nous avait sauvé avec étoile Guppyspo. Attendez, je... Oh là là, je sais pas quoi jouer, je sais pas quoi faire. Je suis déjà exténué. Oh, c'est quand même impressionnant. Ça pour No Devil Deal. Pardon. Merci Neoreo. Pour le nouveau sub, merci beaucoup. Alors. Oh, mais pourquoi j'ai lancé Jacob Ezo? Oh là là. Ah, mais il faut quoi, le problème c'est qu'il faut. Orb qui fait que quand je me fais toucher, je débloque des effets de mapping. Ah oui, c'est vrai. Alors comment on joue? Hop. Shot speed down. Qu'est-ce que c'est chiant. Le problème c'est que celui qui avait les dégâts c'est Ezo, mais bon. Je préfère contrôler Jacob. Je crois que ça pourrait me faire un reroll si je le mets sur Ezo, mais il serait reroll constamment. Et ses points de vie aussi quoi. Ça me fait un truc pour reroll les objets, mais... Un peu cauchemardesque, quoi. Et puis si ça reroll les deux persos, là, c'est la fin du monde, quoi. Si, ça rerollera le perso, mais ça rerollera le deuxième. C'est ce que j'espère, en tout cas. Ah, c'est le point de vie. Oui, on avait parlé de boss rush. Coup dur.
continue hein. Ça reroll les deux. Ah, vous savez pas. Oh là là, si ça reroll les deux, c'est un scandale. Et je vais l'utiliser par ailleurs, ça va être un grand moment de gaming. Oh, cauchemardesque, ça va être cauchemardesque, je le sais. Bravo. Pourquoi j'hésitais? Je suis Devil Deal de toute façon. Oh. Il faut hein. Attends, ils vont me mettre la douille si je prends Isaac de me le faire passer en pour un cœur rouge et des cœurs bleus par contre, je crois. Hein. Donc c'est juste Bible. Hein. Je crois qu'ils vont me mettre la douille, ils vont le mettre à jour. Ouais, c'est sûr, vu qu'il n'y a plus aucun des persos, on aura deux cœurs bleus, deux cœurs rouges. Combien de temps? 4 minutes 7? Je suis une merde. C'est chiant. Ok, les petits derniers. Les objets sont cool, clairement. Bravo. Ah, je pourrais en vrai le prendre le coffre. Mais... un shot speed up, ça va peut-être mis dans le mal, j'hésitais mais je sais plus. Ok. Comme ça applique les dégâts plus vite mais j'ai un doute. Vas-y. Ouais, bah
grave. Vas-y, ça va être toi. Faut que tu survives. Et la batterie aussi, merde. Enfin, je bomberai. Je vais utiliser le dessin par erreur à un moment, si ça arrivera les deux, c'est du génie. Ah, je pourrais leur faire péter les... Je voulais pas péter du champi. Bon, ok, ça m'a saoulé. Oh, Fallen. Ça fait chier parce que normalement, c'est un devil item gratos, mais à cause de la bip satanique, ils vont me le faire payer. Ils ban man. Ah, le fear est pas inintéressant, mais... Ils vont pas me laisser le prendre, les bâtards. C'est bon pour Ezo, je pense. Ils sont trop dark. Faut y aller. Oh, pourquoi Flooded ? 8 minutes, on est dans les temps en tout cas. Planétarium ? Ah bah oui ! C'est quoi ? Oui ! Mais... Oh, y a pas de synergie avec Brimstone, fallait que je mette ça sur réseau et c'était insane. C'est ça ? Ah, ça glace pas. Ah si ! Oh si ! Oh si ! Ouh. C'est dur. Football, football. Ça fait que les deux la speed. Vas-y, j'ai encore tenté le scam. Ah mais du coup l'autre il a une énorme hitbox. Ah, j'aurais peut-être dû lui donner le... Oui, j'aurais dû donner le mini-mush à l'autre. Ah. Oh la baise, oh la baise, oh la baise, oh, c'est terrible. Football. Merde, c'était sur l'autre, j'ai joué trop vite. Tous les cœurs bleus doivent aller à Ezo, vu que moi j'ai la Bible. Incroyable. Je vise mal, je joue mal. Ah merde, en plus là c'est Ezo qui a pris. Ouais, non, mais vraiment c'est très grave. Les cœurs bleus, faut absolument que ça aille sur Ezo. Tout le temps, toujours. Quoi ? Attends, c'est mon Brimstone ou les araignées qui ont fait ça là ? Là, ça sera indécent.
Il a plus que deux cœurs. Fais chier. Ok, c'est un cauchemar. Oh. 11 minutes. On est large. Non. Incroyable. Petite synergie, oh. Comme on les aime. On a le temps, on a le temps. Évidemment, c'est Ezo, quoi. C'est fort. Rocher. Avant la salle du boss. Comment ça? Hein? Oh merde, j'ai écouté le chat. Je tiens à m'excuser. Je tiens à m'excuser auprès de la commu. Désolé d'avoir écouté le chat. Je le ferai plus jamais. Ok. Non! Je le ferai plus jamais. Ensuite, c'est pas grave parce que ça donne un cœur noir. À la totale, hein. Double punition d'avoir écouté le chat. Là. Ok, très bien. Oh, sympa ça. Oh merde, je l'ai pris sur réseau, putain. Ah là, le problème, c'est que l'autre, il est trop fragile, quoi. Le boss rush, je suis pas assez puissant. Le brimstone, il est cool, mais... Les boss, ils vont pas être frozen, les boss, quoi. Et ça va être un vrai problème. Oui, magnifique ça. Oh oui, sublime. Ok. Il y avait The Fool, mais on s'en fout.
Sauf si je veux exploiter le niveau. 15 minutes 30, il y a un objet à prendre en vrai. Et je reprendrai The Devil pour le boss rush. Bravo. Ok, c'est pas grave, c'est l'autre qui a pris. De lire quoi que ce soit, mais bon. Regroupez-vous, regroupez-vous, putain, mais quel connard! Ok, c'est bon. Regroupez-vous, je vous en supplie. Bah oui, bah oui, bah oui, bah oui. Bah oui, tu me casses les couilles. Ok, moi j'ai besoin des dégâts et lui il a besoin de vie. Alors prends ça déjà. Dead Sea Scrolls, ça peut faire des dingues marrantes, mais surtout ça va m'empêcher cette merde. Vas-y, tape un Dead Sea Scrolls là. Best friend, c'est de la merde. Le shop. Ah ouais, merde, le shop. 17 minutes. Attention. Pas le tarot de Kloss avant d'utiliser Two of Diamonds, je suis un génie. The Hierophant. Je pense que je garde des Dead Sea Scrolls. Ah, lui donner la Bible à lui. Peut-être plus nécessaire maintenant, mais c'est vrai que là j'ai un switch possible. Ensuite, laisse bien raisonnable. Peut-être, ouais. Non, la formule me plaît bien. Diplo le book. Ah oui, c'est ça. Attends, est-ce que... Comment je fais? Attends, faut que je fasse vite là. Au secours! Au secours! Okay. Oui. Faut juste pas se tromper. Oui, c'est ça, c'est notre porte de sortie. 18 minutes 46, je suis pas en panique du tout, hein, vous inquiétez pas. Bravo, bravo les gars, Gio. Ok, go go go. Au secours, au secours, au secours. Ce backseat là, ok, c'est les nouveaux objets en général, je dis non mais oui, c'était une belle opti, bravo à vous. Firemind super dangereux, mais fort. En haut à droite, ça peut me troller, c'est les signes du zodiaque aléatoire là, c'est une horreur. Cricket's Body, je pense pas qu'il y ait de... Si, Cricket's Body, Brimstone, il y a synergie. Et Bone, c'est des dégâts. Hein. Ok, à ce moment-là, probablement,
Buddy pour Brimstone et Os pour... Ouais, c'est bien. Regroupez-vous par contre. Okay. Ah oui, ça fait des continuums tirs, ok. Ah oui, il a défoncé son pote, bravo. Ah, ah oui, il a le pola. Oh pff. Oui. Mais putain, on en veut pas de ces zones merde. Putain, j'en veux pas de ces bonnes hearts de mort. Bon, c'est pas grave. Quand il en perd un, je claque de la dip sur lui. On pille des bones, c'est vrai, deux secondes. Ah oui, on peut. Il est où? Ok. Regroupez-vous. Regroupez-vous. Mais non, mais ça va niquer son Polaroid, les bonnards. Ouais, mais c'est pas grave. C'est quand même une bonne idée. Pour l'instant. On se regroupe, on se regroupe. Ah, c'est oui, par contre. Ah merde, si j'avais niqué le Larry en dernier, j'avais cœur bleu. Oh, je suis bien en hard. Ça lâche du cœur rouge de manière assez surprenante. Au secours. Un germe magique lui. Oh, c'est long. En même temps j'ai pris les dégâts de Brim là. Alors qu'en vrai il est pas dégueulasse notre réseau hein. Ça pourrait être bien pire. Il y a quand même 5,44. Ouais, Gurgling ça va aller vite. Il a filé droit. Il est où? On attend qui là? Asiand. One, pas de gratine. C'est vrai que j'ai Hush derrière, j'avais pas pensé à ça. Putain, Hush avec ces connards, ça va être génial. Hein. Oh ! Ah ouais ! Ah non ! Ok. Ça c'est de l'unlock ça. D'accord. Rock Bottom, j'ai le spoil, hein, je sais. Rock Bottom, c'est quand vous l'avez. Quand vous gagnez des stats, même si c'est temporaire, et ben elles s'en vont pas. Donc vous pouvez par exemple vous prélasser dans plusieurs succubes. Ok.
ça c'est de l'unlock hein. The Hanged Man. Oh putain mais toutes les cartes, j'ai pas retenu toutes les cartes. Point d'interrogation, je le savais mais je ne sais plus. Je sais pas si c'est de la récompense, je sais pas si Hanged Man c'est ok mais... Là on est vraiment bien parce que mine de rien l'autre, certes il a pas son Pollard activé mais... les Bone Hearts, du coup ça demande deux touches pour disparaître. Comme s'il avait un wafer sur ces cœurs là quoi. Des clés. Ah oui j'ai une clé. Ah oui pour Hush c'est scandaleux. Feels bad. Feels bad man. Oh vas-y je suis pas la curse. Ah c'est chiant ça. Mais 25 minutes mais faut tracer plus que jamais là. Pas sûr de l'avoir du tout mon hush là. Au secours. Ouah, wow, sulfure, pas inintéressant. Ça marche? Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche avec Brimstone, les Vortex? Est-ce que ça c'est un délire hein? Ah oui, ok. Après tout... Ah oui, mais je peux pas. C'est à... Bah c'est Ezo, vas-y. Vas-y mon gars. Je peux pas prendre sulfure du coup. Merde. Vite. 25. T'as des petites clés là? Qui te demandait? Bon, merci. Besoin de ça. Merde. Off piégé, pas celui-là. C'est nul. Faut se prendre. Le full clean, hein. Le full clear classique, j'ai envie de dire. Quand on est pressé. C'est nice. Ah ouais. Aïe. Faut que je me fasse au timing. Oh le vortex, magnifique. Les vortex. Au secours. Go. Ok. Pas mal.
Peut-être un cœur noir ou un cœur bleu au shop, donc j'ai pas claqué la bip tout de suite. En cité, c'est pas l'idéal, mais bon. Range lock, c'est ça? Plus pour l'autre alors. Un seul art. Vendu alors. Gimpy, probablement. Sagittarius pour Ezo. Ah oui, je peux prendre les deux, c'est vrai. Varicose Vein, c'est les... Ah, mais ça va être le Delbor, ça. Hein. Enfin non, c'est celui qui est bien, c'est celui que... C'est quand eux, on les tue, ils font des larmes et c'est la panique du coup. Du coup, je veux peut-être gimpy avec Ezo. Ah non, c'est moi quand je me fais hit. Oh, c'est de la merde, quoi. De toute façon, je veux le défensif sur Ezo. Et donc là, on a dit Sagittarius, Ezo. Bon, on s'en fout, j'ai pas envie de choupe d'aoup. Ça fait un revenge multi brainstone. Ah oui, si c'est le cas, c'est ouf par contre. Black market bug, oui je sais, mais on cherche surtout un objet gratos. Anything. Oh, ça a l'air d'être une carotte. On va mettre les sous dans la machine, tout à fait. Il peut y avoir une super secrète là. Ah, c'est lui qui a pris de la luck à mort. Oui, je suis con. Allez, partagez-vous ça. Eh, magnifique. Allez, j'y crois. Et Delirium derrière. Hein. On est parti pour une sacrée aventure. Ah, faut que je maîtrise mon timing par contre. Okay. C'est vrai, faut que j'essaye de me mettre un max dans la succube. Mais c'est chiant. Timing, fait chier. C'est bien ça. Devant. Ok, les vortex, excellent. On a bien fait lui mettre la range du coup. Mettre du vortex là-dedans. Hein.
Regroupez-vous. Devant. Putain, non, non, non. Oh non. Ça, c'est par contre, c'est cauchemardesque. Et c'est peut-être Ezo qui va leur passer devant maintenant, surtout qu'il y a Gimpy. Ouais, on va faire ça. Ouais. Aise, aise. Incroyable. Là, on devrait passer un bon moment sur quand même la plupart des salles. Ok, on a du gambling ici, mais je peux te tuer. Ok, j'ai rien vu. Ah mais non, putain, j'aurais dû perdre le bon art là, parce que maintenant on a plus besoin du Polaroid. Ah, j'ai presque envie de le faire maintenant, de perdre son bon art, mais bon. Je vois R, c'est ouf! Ah, je prends trop cher avec Jacob là. Enfin, personne vole, c'est chiant. Il va y avoir de sacrifice à Delirium, non? Comme pas. Hein. Je vois R. Ok. Non. On va peut-être lui faire perdre. Hein. Oh, oh non. Salle rouge d'avant, rocher marqué. Youfine, rocher marqué. Ok, alors. Ah, c'est safe. Ok, il a perdu le coulon. Dommage.
Comment ça se fait qu'il pop sur... C'est randomisé ou quoi? Ah mais c'est la Bible qui fait ça? Et là c'est trop tard, à moins qu'on trouve un reset. Je vais le laisser là de toute façon, on va essayer de le reroll. Oui, j'ai que l'infini. Formidable. On a une petite carte de TP au cas où il y a plusieurs choix pour Delirium. Dommage de pas faire toutes les salles possibles. Ah c'est foudre random The Void. Ah oui bah tu me diras j'ai trouvé... Oh là là, deux secondes. Oh oui. Ah j'ai bourré comme Jaja. C'est sublime. C'est vraiment sublime ce que je viens de faire. Très bien. Je suis très content. Gambling, hein, toujours. Oula, ça c'est dommage. Oui. Ah oui. Dommage de pas avoir réfléchi. Allez, Jacob Ezo. Petit mushroom, en vrai. Un peu galère. Oh là là, mais putain. Je me concentre sur le seul ennemi où on s'en foutait. Putain, mais c'est grave, c'est très grave. Si c'est vrai, c'est très grave. Ah, quand je reblast les glaçons, ça me refile de l'araignée. Là c'est le speedrun, le problème c'est que t'as là... j'avais le sablier la dernière fois, là je l'ai pas. Delirium peut tellement mal se passer. Il est où? Ok. Ah ça serait bien. Hop là. Incroyable brimstone de glace, hein. Une honte. Une honte. Et c'est pour ça que je devais blinder la luck sur lui aussi, je sais pas si c'est un rapport a priori non. Oh les araignées là. C'est bien d'en regarder pas mal pour Delirium. Oh là là, Loki vient de se prendre un truc là. Faut vraiment que j'ai plus de dégâts. Mon build est déjà monstrueux alors que j'ai que 7 de dégâts sur brimstone. 10 quand je suis l'aura de la succube. Chiant. Ouvre-toi, je t'en supplie. Okay. Toi aussi. Pas beaucoup de boss là, ils sont où?
on arrive au full life, ça fait plaisir. Ouais, sans le double bouquin aussi, c'était tendu. Là, c'est incroyable. Bon. Ok. Les boss. On pourrait avoir des nouvelles des boss. Non, enfin rien n'est safe, c'est chiant. C'est très chiant. Ah, au safe, parce que attendez, oui, la 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc, ouais, en haut, c'est safe. Ouais. Les deux d'ailleurs. Oh, ok. Pas de panique. Ouais, non, mais non, c'est chiant. Ah oui, mais vu que... Attendez, là, elles peuvent pas se croiser. Ah, mais si l'autre, elle part en haut. Non, celle tout en bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et en fait, à gauche ou à droite, ça peut être les deux. Il y en a une des deux qui peut être Delirium. Et du coup, on sait pas laquelle. Celle de tout en haut est safe. Au pire, Delirium prend cher. Non, mais on peut jouer Delirium, là, n'est pas le problème. Mais si j'ai juste un peu plus de dégâts sur Brimstone, etc., etc., enfin... C'est jamais gagné contre Delirium, vu que le combat, il est complètement unfair et stupide, et il se téléporte, et il y a des coups qu'on peut, on peut jamais éviter. Pour moi, le seul safe, c'est celui tout en haut, là. Et ensuite, c'est du pif. Oh oui, c'est un drame, ça. Magnifique. L'ami des poops. Vous êtes content? Les shitty friends sont de retour. Se faire chier à trouver la secret, ça sera une superbe aventure. Elle est là. On va quand même terminer, il y a peut-être un autre boss là-bas. Tout ça sera safe. Okay, c'est chiant. Vous séparez pas trop, je vous en supplie. Je vois rien.
Ah, The Moon aurait pu me faire sortir le combat. Oui, je suis... c'est très juste. Oh là là, mais ensuite j'ai pas assez de régène. Les deux ont pris là ? Ah non. Ils le font exprès, c'est infernal. J'ai 4 choix là, sérieux là ? Algiz. Le problème, c'est que bon. L'autre a Polaroid, donc Algiz, ouais, clairement, c'est mieux sur... Ok, donc ça, c'est safe, hein, c'est ce qu'on a dit. Des pilules. Je vais prendre les dégâts. Ok. Ah, des dégâts. Il y en a une tout en bas. Oui. C'est amnésie. Mais le Worst PhD me dit hein, de toute façon ce que ça fait, donc ça va. J'ai le la preview. Et les piles seraient cool, mais... Bad trip... Ah mais ça me redonne un cœur noir, ça a pas donné des dégâts ça. Ouais. Allez, Pifon. Au secours. J'hésite à aller au-dessus avant en plus, hein. Bon. Mais si tous les hats peuvent se prendre la glace, c'est cool. Faut pas que je laisse... Putain, participer. Ah oui, j'ai pas assez de range pour que les vortex soient... Voilà. Faut que les vortex y touchent, c'est trop trop fort. Le problème, c'est que j'ai vraiment une range pourrie avec lui. Ok. Faut oublier que j'ai Algiz. Et seulement sur Jacob. Oh, au secours, ils sont séparés. C'est pas bon. C'est bon, ils sont ensemble. Rien de trop grave pour l'instant. Vortex. Qu'est-ce qu'il y a? T'es stuck? Bah. C'est con ça. Oh, ça va le faire. L2. L2, L2 si je veux... Au secours ! Si je veux... Algiz. À tous les hats qui prennent la glace, c'est cool aussi. Hein. Oh là là, un Jacob Ezo, boss rush, hush delirium. Si on m'avait dit ça. Reviens devant. Ok.
Okay. Mais c'est chiant, ok, c'est chiant. On va le mettre devant. J'avais dit devant, mais c'est pas grave. Bah voilà, genre ça. Genre ça, c'est bien de la merde, vous voyez. L'ennemi qui se TP sur vous à son spawn alors que vous savez même pas qu'il y a d'araignée dans le fight. Ça, c'est incroyable. Ok. Bravo. Oh là 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 là. Triple unlock, bravo. Jacob Ezo. Faut juste commencer avec Brimstone, trouver la glace et pouvoir dupliquer une Bible satanique. Ah, suplex, c'était l'objet buggé là. Ils vont le patcher ça en juin. Ah, si Amaras, LGH qui nous raid à l'instant quand on vient de faire Boss Rush Hush Delirium avec Jacob et Ezo. Alors ça, c'était inattendu. Ainsi qu'Ilmar GG pour le Prime. Ainsi Keoups, Kasteroth, Noexardas, Morlocover pour les Resaves. Incroyable. 455. Putain, mais on a débloqué à combien? 10 secrets aujourd'hui déjà. C'est du jamais vu. Surtout plus on avance, plus c'est terrible. Bravo. Des bisous YouTube.